Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, c'est MK qui vous parle aujourd'hui pour vous présenter cette toute nouvelle vidéo. On va parler des bonus et des promos pour GTA Online cette semaine. Cette semaine bonus les gars commence aujourd'hui, dure jusqu'au mercredi prochain le 14 juillet 2021. Et je souhaite à l'avance une bonne fête nationale pour les Français. Et comme chaque semaine les potes, on a une nouvelle voiture sur le podium du casino. Cette semaine il s'agit de la Retinue MK2. Donc c'est une voiture qui coûte 1 620 000 $. Elle est basée un petit peu sur les véhicules de Fast and Furious. Franchement, c'est un bon petit véhicule de collection, je trouve, même s'il est moche et je trouve qu'il est un petit peu cher pour ce qu'il est, quoi. Mais en tout cas, voilà, essayez de les gagner. La Retinue MK2 a gagné cette semaine dans le casino. Pour les promos, les potes, on a sur Legendary un seul véhicule, le Revolter, qui est à 1 127 000 $. Sur Warstock, on a pas mal de bonnes choses cette semaine. On a, pour commencer, le V-Tier qui fait pas partie des bonnes choses cette semaine, qui est à 1 141 000 $. Bref, on a la Nokota. 1 857 000 $. Celle-là, par contre, ouais, elle est belle. C'est un bel avion de collection, les gars. Genre du style Deuxième Guerre mondiale et tout. Je vais me l'acheter. Il y a la Bombushka. Celle-là aussi, elle fait pas partie de ce qui est intéressant cette semaine. En plus de ça, même en promo, elle coûte plus de 4 000 000 $, les gars. Laisse tomber la Bombushka. Par contre, on a la Molotov, 3 351 000 $. C'est un super bon avion, les gars. Franchement, elle est trop bien. Elle coûte cher, même en promo, mais elle en vaut grave la peine. Pour finir, il y a le Cargo Bob aussi à 1 074 000 $. Sur San Andreas, les potes, on a la Vapid Slam Truck à 796 000 $. Elle en vaut pas la peine, n'allez pas perdre votre argent là-dedans. Pour les propriétés, j'ai vu aucune promo. Ça compte aussi pour Elitas, Guerre d'Arène et Bénis. J'ai remarqué aucune promo. Par contre, on a un bateau, le Lampadati Toro, pour 1 050 000 $ achetable cette semaine chez Doctiz, les gars. En ce qui concerne les bonus de cette semaine, les potes, ce que j'ai déjà capté, c'est les modes survie. Ils sont double dollar et RP. Je n'ai pas encore de confirmation qu'il y a les nouveaux modes survie. Je pense que oui, mais en tout cas, on va vérifier ça dès que je rentre, les potes. Et puis, s'il y a des autres bonus encore ou des promos que j'ai pas mentionnés sur la vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais les mentionner après sur la case commentaire et sur la description de cette vidéo. En tout cas les potes, je vous dis merci d'avoir tous regardé cette vidéo. En tout cas voilà, j'espère que vous avez kiffé les quelques bonnes promos qu'on a cette semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt les potes pour une nouvelle vidéo sur GTA.